Une lettre d'excuse de Polal? Peut-on vraiment pardonner une chose aussi horrible? On peut toujours en parler. Merci, voyageur. Prenez ceci en remerciement. 500 de minerais. Bon, on est full comme ça. Let's go, les potes! Et de deux flûtistes sur quatre, il y en a un qui est dans le château. Je reviens à Tunnel Arcanique. On y était il y a quelques minutes, les amis. Mais on avait dit qu'on prenait des emplacements d'esprit. Les emplacements d'esprit, ils sont là-bas. Après, on peut les prendre à deux endroits différents dans le jeu. Mais bon, voilà. Hop. Hop. Bonjour, monsieur. Alors, vous revoilà, chasseur d'esprit. Emplacement. Pas mal, vous avez des emplacements d'âme. 800. Parfait, Tony. Est-ce que je peux encore en acheter un? Emplacement. Pas mal, vous avez assez d'âme. Prenez un emplacement. Voilà, on est bien. Encore un emplacement. Je vois que vous avez assez d'âme d'esprit. Malheureusement, il me faut 60 âmes du vide. D'accord. Ok, bon, on peut lui acheter les trucs au pire, mais on n'est pas très loin. Et on en a combien maintenant d'esprit? Parce qu'il lui en faut 10 pour la chasse. Alors la chasse esprit, ça se passe comment? Quoi? Bravo, c'est très impressionnant. Vous avez collecté 10 esprits. Comme promis, voici votre récompense. Prenez cette tunique. C'est un vêtement transmis de génération en génération chez les chasseurs. Pouah, la cape du chasseur. Et boum, succès déverrouillé. Yes, papa. Bah parfait. Parfait, les amis, on fait des choses. Refarmons un peu de pognon. On a perdu. On a perdu. Un peu. Je pense que je vais tout simplement aller acheter la sacoche à 16 000, comme ça, à 15 000, comme ça au moins je serai pas overcap. Ok, bon, on va dire que c'est bon, 8 800, c'est déjà pas mal. Chemin abandonné. Ce serait là, là. Chemin abandonné. Ah, mais voilà, je savais bien qu'on pouvait se téléporter tout en haut, sans avoir à se faire chier à refaire le truc qui nous avait pris vachement de temps. Voilà, on est tout en haut là. Ok les gars, vous voyez, malin, malin comme un singe. Enfin, on n'est pas tout en haut, on est à mi-chemin. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et avec le triple saut, je suppose que c'est beaucoup plus facile. Ok. Oh non, mais tu vas vraiment m'embêter, toi? T'es méchant. Pouah! Easy peasy. Ok, et là, il y a l'échelle. Ok, ça va. On est tout en haut assez facilement. Et donc là, il y avait une porte. Et la porte, elle est ouverte. Et c'était pas la porte, la première porte, ça, c'est une porte chelou. Oh, il y a un bonhomme, là. Il est là, regardez. Oh là 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 là. Guerrier des ombres et de la lumière, vous revoilà. Je vais vous raconter l'histoire d'une guerrière d'autrefois. Il y a fort longtemps, une puissante guerrière protégeait cette forêt gelée. Tous la connaissaient sous le nom de la Dame Pera, l'un des trois grands chevaliers. Grâce au pouvoir de la glace, elle protégea la reine et le pays. Mais durant la Grande Guerre, comme tous les autres, elle est tombée, vaincue par le pouvoir de l'ombre noire. Son âme s'est brisée en de nombreux fragments, et au fil du temps, le vent les éparpilla partout dans Penumbra. Les fragments doivent être à nouveau réunis. Seule son âme restaurée pourra rouvrir le chemin. Guerrier, prenez ceci. Oh! Ah.
Il s'agit d'un réceptacle d'âme. Grâce à cet objet, vous pourrez rassembler des fragments d'âme perdus. Trouvez dans le monde les quatre piédestaux d'âme. Le premier se trouve derrière moi, dans la forêt des feuilles gelées. Le deuxième près du lien de notre première rencontre dans la maison des guerriers, oui je m'en rappelle, dans le fort. Le troisième et le feu coule près de l'entrepôt. Et le quatrième sur un grand pont dans les jardins sacrés. Guerrier, bonne chance. Une fois les fragments assemblés, la porte de glace s'ouvrira devant vous. Et vous pourrez affronter le dernier des seigneurs. Ok, d'accord les amis. Nous avons les réceptacles, un réceptacle lourd et sombre dont il contenait jadis les fragments de l'âme d'une créature. Ok, ça c'est la quête principale hein, bien sûr. Activé. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut aller les chercher. Ok d'accord, ça me rappelle un jeu ça. Ça me rappelle un jeu. Ok, c'est galère quand même hein. En plus ils ont fait pop des mobs. Celui-là il est pas là d'habitude non. Bon, après il meurt en deux coups maintenant. Ça va, tranquillou bilou. T'as un 2. Voilà là, la nouvelle quête. Ça va être galère. Faut pas se rater parce qu'on a 1 milliard de hauteur et ça va pas aider à remonter. Hein. Donc faut pas se rater, faut pas en rater. Hein. Donc on va chercher partout là. Il y en a pas. Il y en a pas là. Il y en a pas un là. Pas là. Non, c'est bon. Tout va bien. Ok, on en a 2. Il y en a un ensuite un autre là. Oh mais il y a aussi un flûtiste ici. Bonjour. Oh salut, c'est Beck. N'avez pas prévu d'avoir du public? Qu'est-ce que vous amène dans cet endroit? Mon nom est Beck, je suis flûtiste. Depuis quelque temps, je parcours le château. Oh, qu'est-ce que c'est? Il a des excuses? Je m'attendais pas à ce qui arrive au bon moment à un autre. Merci mon ami. Je vais me mettre en route. Il est temps que je rentre. Prenez ceci en remerciement. Et vous, du pognon? Attention, je m'occupe de lui. Ah, vous le tapez dans le... Ok, on a trouvé un flûtiste. Il reste plus que le flûtiste qui est à l'intérieur. Alors le problème c'est qu'ils sont où les autres? Ok, il y en a un là. Oh là là, ça va être galère. Oh là là, la mission. La mission de dingue. Il y en a vraiment là, parfois sur les hauteurs, etc. Enfin, il va falloir vraiment que je fasse toutes les hauteurs tout le temps. Ou est-ce qu'ils ont, ils ont été quand même sympas? À pas en foutre comme ça, qui est carrément... Ah, il y en a un là. Et de 4. Je pense qu'ils les ont fait pour de manière gentille. Ou en fait, si tu les fais dans l'ordre, ça va. 3, 5. Donc là, faudrait continuer par là. Là, il n'y en a pas a priori. Non, donc ça, il pourrait être où le prochain? Ah oui, si je descends tout en bas, va falloir remonter un moment pour en trouver d'autres. Donc ça me fait un peu yesh. Ah bonjour. Bon bah descendons, hein, tant pis. Ah bah tiens, on passe d'un, on s'en bouffe un autre. On est censé lui faire mal maintenant, voilà. Ok. Il y en a un là. Donc a priori on était supposé descendre. Hein. Un 6. Alors est-ce qu'il nous les donne dans l'ordre? Ou est-ce que ça va être la galère? Ah, merde. Non. J'aimerais bien éviter de crever, merci. Ok, on va se soigner, ce sera plus safe. Il reste encore un paquet à trouver hein. C'est pas genre 4-5 hein. C'est genre 1 milliard. Mmh.
j'avais pas récupéré ce truc. La soupe de mouette. Ah, c'est peut-être le médicament. J'en sais rien. Mais ça doit servir à une quête, ça. Ok, un de plus. Ok, par là. Par là, c'est un... Merde. Pas réussi à monter. Pourtant, il y en a peut-être un en haut. Mais le con, c'est pas compliqué, Saiker. Ah, c'était pas compliqué, t'y étais quasiment tout en haut, mais quel abrutix. Ok, il y en a pas là-haut, on est certain. Continuons. Ok, continuons, il y en a un là. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas été trop durs quand même et qu'on a déjà trouvé ceux qui étaient les plus chiants, qui étaient en haut. Ah, ils en ont mis un carrément comme ça sur le mur. Et c'est fait, on l'a. Ah, il y en a un là. Abrutix, hop, c'est bon, tout va bien. Ils n'en ont pas mis dans les couloirs comme ça. Non, ils n'ont pas mis là. Ils n'ont pas l'air d'en avoir mis là non plus, mais on va vérifier. Aïe. Soignons-nous. Parfait. On n'a pas mis là. Non. Ok, donc le suivant, il est sur cette hauteur-là. Facile. Ok, il en reste 5 à trouver. On a un là. Horrible dans ce genre de truc, c'est quand tu les... C'est quand il t'en manque un quand t'as fait tout le tour. Et tu dois te refarcir. Donc espérons que ça soit pas le cas. Attends, on a une possibilité de se soigner, on va l'utiliser. Celui-là, on les aime pas ces trucs. Boum, ça dégage. Ok, il y en a pas. Ok, ils en ont mis un vraiment au tout début. Et il va nous en manquer, j'ai l'impression. Ah, il y en a un là. Il va nous en manquer un. J'adore quand je prédis l'avenir. J'adore quand il nous en manque un et il va nous en manquer un, les potes. Eh, il y en a pas là. A few moments later. Ce serait pas à l'intérieur de la tour, en bas tu veux dire? Non, à l'intérieur de la tour on a tué les mobs. Donc on a tué tous les mobs qui étaient dans la tour, donc en théorie on serait passé devant quoi. Non? Et ensuite le prochain étage il est où? Je me rappelle plus comment j'ai fait pour monter. Trop de mémoire là. Là il y a une plateforme. Là il y en a pas. Il est là! Oui, boum! Oh, oh. Je crois qu'on a fait la zone peut-être la plus dure. Téléportons-nous dans le fort embrasé. Et ouais. Et ouais, les potes, et ouais, 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 ouais. Ok, donc premier, je pense que c'était une des zones les plus chiantes. C'était la zone la plus chiante, je suppose. Mais le mec, le musicien qu'on cherche d'abord, avant de faire ça. Oh, quoique. On va peut-être l'activer, comme ça sera fait. Activé. Ok, bon, je suppose que ça va être la zone la plus facile.
Je cherche le musicos là. Moi je sais plus où il est le musicos. Pourquoi il y a ces symboles sur le sol? Ah oui, parce que c'était des instructions. C'était des techniques. Il est où le musicos? Il est là, non? Y'a pas un mec au bout là? Et c'est pas un musicien lui? Ah non, pas du tout. Si. Oh, c'est une lettre d'excuse de Polol? Ah oui, c'est Beethoven! C'est incroyable! Très bien! Vu qu'il est prêt à s'excuser, je vais lui pardonner. La vie est trop courte pour avoir des regrets. Tenez, mon ami, prenez ceci en remerciement. Ah oui. Je suis plein de pognon, mon gars! Je suis plein de pognon, ça sert à rien! Là, tu te demandes hein, s'il n'y a pas des plateformes à aller voir grâce à nos nouveaux pouvoirs. Hein. Ok. Et nous, on les a fait les 4 lutistes ou on en a fait 3 là? Mystère et Bulldogger. Ok, bon, faisons les autres. A priori, ici, il n'y a rien, je pense. Je pense que dans les autres endroits. Ils ont rien mis là. Je pense qu'ils ont rien mis là. Et ils ont rien mis encore avant et qui est vraiment la zone de départ. Je pense qu'ils en ont pas mis là. Je pense qu'ils en ont pas mis. Ok, parfait. Je crois que j'en ai fait que 3, 3 flûtistes. D'accord. Putain, je sais plus. J'ai fait. C'est ça que ça va être dur de me souvenir lesquels que j'ai fait. Et surtout, où est le dernier. Ok, donc là on a ça. Là, il y en avait sur les côtés, c'est ça. Je crois qu'on en a raté sur les côtés. On a un là. Ah, ils en ont mis plein là. C'est au cas où si t'avais raté tous les coffres, etc, etc. Et on était allé là. C'est rigolo, on était allé là pour voir s'il y avait un truc. Ok. Oh, ils en ont caché les petits saligots. Un joli guerre. C'était beau, c'était propre. Ok, ok. Ils ont foutu où les autres? Là. Je pense qu'il faut essayer de les faire selon un certain ordre. Comme ça tu te rates pas trop. C'est juste qu'on en avait raté un quoi. Mais si on aura, si on suit bien le jeu, ils sont quand même malins ces développeurs. Et ils ont quand même été gentils. À moins que t'en rates un parce que t'as pas surveillé derrière. Voilà, on va se mettre un petit peu paranoïaque comme d'hab dans ce genre de jeu. Et il en reste plus que 3 les amis. Voilà. Ah, chelou. Il va encore nous en manquer un. Ah. Oh, les salauds. Il y a le coffre? Non, je déconne. Ok, ok, il nous en manque encore un. Aïe, aïe, aïe. La vieille aura bleu qui m'a fait peur. Qui m'a fait croire. Ok, bon bah les amis, on sait pas où il est le dernier. Y'a que dalle les potes, y'a que dalle. Ah, est-ce qu'ils en ont mis un là? Ce serait bizarre qu'ils en aient mis un dans cette zone. Parce que un seul dans cette zone, ça serait trop étonnant. Ils en auraient mis plus. À mon avis, il y a rien là. Hein. À mon avis, c'est... Il est là. Il est là. Je suis aveugle. On m'appelle Aveugleman. Ok, c'est bon. Let's go les potes. Et de deux. Voilà les amis. Affaire. Faut regarder où ils sont mis. Hein. Putain, ils ont mis en bas pour le moment, donc ça va, c'est pas trop méchant. Ils en ont mis vraiment en bas, bas, bas. On n'aime pas du tout la zone. Mais bon, let's go. Let's go, c'est parti. Le premier, il est là. Ok. Dedans.
n'en ont pas mis plus bas. Hein. Pour vérifier, parce que cet endroit, c'est un peu un endroit de torture. Avec les mecs qui te tirent dessus à une cadence folle. J'ai pas l'impression qu'il y en ait. Hein. Donc c'est bon. On va remonter par les échelles. Enfin, s'ils en auraient mis à l'intérieur des bâtiments carrément. A priori, il n'y en a pas. Là, j'en ai vu un à côté de la statue. Non, c'est pas là. Bon, c'est pas grave, on aura fait l'endroit. Ah, j'étais dedans. Attends, il faut pas que je crève quand même, on va se soigner. Bon. Ok, let's go. Montons. Je sais plus où c'est que j'ai vu le... J'en ai vu un quelque part, mais... Oh, montons. Hop. Ah ! Eh, ils en ont mis à l'intérieur. Ça, c'était bien de vérifier. J'ai trop monté, là. Ouais, j'ai trop monté. On va pas faire cet étage-là d'abord. On va aller là d'abord. Parce que j'en ai vu un. J'ai pas vu un sur à côté de la statue. Ah là-bas, j'en ai vu un là-bas. On va les faire dans l'ordre de hauteur. Ça sera mieux. Et de vérifier à coup sûr. Plutôt que de faire le débilus. Et d'aller les faire juste parce qu'on l'a vu. Ça, c'en est pas un. Donc là, il y en a un là. J'ai fait les deux. Oh putain, je me faisais toucher, je crevais. C'est chaud du cul. Saliage. Ok, on va commencer par celui qui est là. Ensuite on remonte. On est à combien? 4. Il y en a un là. Et il y en a un là. Ils te disent de prendre l'échelle quoi, entre guillemets quoi. Et il y en a un là. On a failli zapper. Ok, on a pas mal avancé. Les jumelles maintenant. Est-ce qu'ils en ont mis dans des coins vraiment bizarres? Ouais, ils en ont mis vraiment jusqu'en haut. Et il y en a un là, au-dessus du truc. Ok. On terminera par celui-là, peut-être. Non, on va le chercher tout de suite. On va le chercher tout de suite parce qu'il est chiant. Voilà. Et cette fois-ci, on repasse par l'échelle. Ok, on en a la moitié. C'est donc par élimination. Ils en ont pas mis. Non. Sans choix, on avait déjà fait ça. Dernier. Bonjour toi. Il m'a touché. Je veux dire. Mais t'es où? Ah oui, je suis de ce côté-là. Soigne-toi. C'est pas ça, Iker. C'est vers le haut. Se battre là-dedans, ça me plaît pas trop. On est mort. Ok, donc celui-là, c'est fait. Il y en a un en face, bien sûr. Fallait bien qu'ils en foutent un. Fallait bien qu'ils en foutent en face. Et vu que j'ai la flemme de faire le tour, on va y aller comme ça. Ça passe pas! Ça passe pas! Au secours! Faut faire le tour et faire le tour. Faut passer par où? Je sais plus. Au secours. Comment je fais? Je sais même plus. Je peux pas aller plus loin? C'est étonnant que j'y arrive pas. Ah, peut-être, je peux peut-être m'arrêter à mi-chemin. Je m'arrête à petit chemin, ça peut le faire.
peux pas m'arrêter à mi-chemin là? Ouais, c'est bon. Il y en a pas là? Non, il y en a pas. Je peux monter encore plus haut? Ah, il y a un balcon là, mais il y a rien. Après, ça peut me permettre de monter encore plus haut, mais... La flemme. La flemme, on va aller d'abord là. Oh, il y a un coffre ici qu'on n'avait jamais ouvert. Ah, oh, what the fuck. Minerai de saphir. Ouais, est-ce que je me le fais? Est-ce que j'ai vraiment besoin de me le faire? Ah oui, on va se le faire. Oh les... C'est quand même gris. C'est quand même chaud, Lucu. Oh lol! Ils crèvent là quand ils font ça? Oui, il est tranquille en bas. Et... Attention. Non, c'est pas ça que je... Hein? Oh, je suis pas tombé de haut là! Il y a rien. On continue, les amis. On s'arrête là-dessus. Et on est bon. Un carré, puis il faut sprinter. On passe. Voilà, celui qui est là. Il en reste plus que 4. Bon, le pognon ça sert à rien, mais la vie ça serait bien. Il n'y a pas de vie. Faut aller en face maintenant. En face, on va faire le tour, je pense. En face, c'est trop loin. Wow, il a kiffé là. Attention. Ça peut vite tuer ça, faut se manier le cul. Ok. On a plus d'essence de feu, faut faire gaffe. Je me demande si on a le droit de recharger la zone ou s'il faut pas recommencer. Je la sentais la merde arriver si je rechargeais la zone et qu'il faut recommencer. Oh, j'ai même plus besoin de dash quoi. Plus qu'un. Ah, plus qu'un, les amis. Plus qu'un. Il est où, bordel? Une essence de vie là, peut-être? Ah bah non. Oh, il est là! Il est là, les potes! Putain, je l'avais pas vu! Bouhou! Ouf. 3 sur 4 d'activé. Beau gosse. Sauf que là, j'ai trouvé un truc, mais il y avait un coffre que j'avais pas. Alors, il y avait un coffre que j'avais pas. Et ce coffre, il est forcément... Il est pas de ce côté-là, il est de l'autre côté.
D'accord. Et de ce côté-là, le coffre? Je sais pas. C'est bizarre, il y avait un coffre que j'avais pas récolté. Bordel de merde. Juste, c'était de l'autre côté, alors il y avait un coffre que j'ai pas récupéré. J'ai pris ma gueule là. Et où le coffre que j'ai pas récupéré? Ce coffre là je l'ai. Ah ouais, ce coffre là je l'ai jamais récupéré. What the fuck? Comment c'est possible? Bon, c'est du minerai, quoi. On s'en fout, mais c'est rigolo. Ok, les beaux gosses. Ok, les amis. Eh ben, let's go, 3 sur 4, hein. Elle est où, la statue de TP? Elle est de quel côté? À chaque fois, je me trompe. Elle est du côté du temple. C'est ça? Ou elle... Non, elle est de l'autre côté du temple. Ça, elle est pas du côté du temple, elle est de l'autre côté. Ok, les beaux gosses. Eh ben, pas mal. Pas mal du tout. Il nous manque un flûtiste et il nous manque un réceptacle sur 4. On va se téléporter. C'était où que je voulais me téléporter? Dans la rivière ardente pour aller acheter à la ville de Rouille machin. Aller acheter, commencer à acheter des items puisqu'on est à 9000 crédits quand même. Ça serait bien de faire. Hop, on est arrivé dans la ville. Tranquillou. Donc on n'a pas répondu à la quête. Il reste encore un musicien à récupérer. Bientôt. Salut, bienvenue, je suis Nio, le fabricant de lunettes. Je travaille sur un musicien, il n'est pas encore prêt. Lui, c'est fait. Le musicos, il est où? Ah si, ils sont là, les quatre! Mais oui, les potes! Mesdames et messieurs, le groupe se reforme! Merci beaucoup, prenez ceci en remerciement! Le costume d'artiste! Oh, le beau gosse! Chanson des dieux! Et voilà, je me disais bien qu'on les avait tous faits! Aïe aïe aïe! Il faut pas écouter Sylvain, hein! Dans le chat, il me dit, mais t'en as fait que 3! Ouais. J'aurais pu chercher longtemps! Voilà, oh, là, 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 le beau gosse! Tenue d'artiste! Eh ouais, on est youtubeur, hein! Let's go, je suis là pour une chanson, je suis Dark Sasuke, le Rocketman, le rocker. Bonjour, il a retrouvé. Quelle joie! Salut, comment vous revoir? C'est fou, non? J'ai finalement réussi à trouver le courage de dire à Aini que ce que je ressentais pour elle. Et vous savez quoi? Elle m'aimait aussi en secret. Elle a à peine regardé la rose. Et à présent, je suis papa. Nous autres, Unops, nous nous reproduisons vite. Quelle joie! Grâce à vous, mon ami, les aventures, c'est fini pour moi. Le combat, c'est fini pour moi. J'aimerais vous donner ceci. Oh, 2 épées Onops traditionnelles ayant appartenu à Barry. L'amour dans l'air. Et boum! Le roi des quêtes. Le roi des quêtes. Et c'est des épées à 40 de dégâts. Beau gosse. Ah, c'est pas ça. Moi j'arrive pas à mettre l'épée que je veux. Ah voilà. Ok, c'est des épées. C'est des épées des stocks quoi. Ok, ok, et qu'est-ce qu'on avait voulu faire ici? On voulait aller voir le monsieur qui est tout là-haut. Pour commencer à lui acheter ses pouvoirs. Écoutez, vous voulez voir mon inventaire? Alors, on peut lui acheter la bourse d'Hiro à 9000. Ou alors, le frère sœur Onops augmente la distance de la course sur les murs. C'est quand même très pratique ça, on va prendre ça d'abord. Les âmes ténébreuses, elles font 42 de dégâts. D'accord, c'est peut-être quasiment les meilleures armes du jeu. Ok, et ben on a pas mal progressé dans cet épisode de Blue Fire. Je vous fais des bisous. Et puis Dark Sasuke vous fait également un bisou. Voilà, donc non, c'était pas manger que je voulais que tu fasses, Dark Sasuke, mais c'était un coucou. Un coucou. Bonjour, salut. À dans 2 jours pour la suite de ce let's play incroyable du cul sur Blue Fire. Ciao.